Salut à tous! Hey, salut! C'est Didi le GG de Gaming Room TV. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, il fait nuit. Ouais, nous partons en vadrouille. Nous allons en vadrouille, en VG. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'est pas partis tous les deux en VG. C'est ça. Donc on va profiter pour vous faire un petit vide-grenier live. Ça fait longtemps, ça fait depuis l'année dernière qu'on n'avait pas fait un vide-grenier live. C'est ça, et puis bon, on verra après ce qu'on trouve. Hein. C'est le dernier vide-grenier par chez nous. Ouais. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de monde, mais on verra ça. Donc on vous dit à tout de suite. Tu aimes le jeu de voiture et on a. Ah bah oui, forcément. Ouais, si, parce que j'ai deux cubes qui sont là. J'ai les deux cubes qui sont là, donc du coup, mais. Petit boop. Bonjour. Juste par curiosité, les Betty Boop, vous les vendez combien? Celle-ci fait 45. Elle est dans le sac là? D'accord, je vous remercie. Bonjour, oui. Vous faites combien vos jeux? Il y a les prix dessus, madame. Ah, pardon, ceux-là, j'avais pas. Sur le papier derrière, ça va se marquer. Ah, oui, ok, d'accord. Je vous remercie. Je vais dire si on fait chier. C'est bien. Tu sais que t'as un beau cul, toi. Bonjour. Bonjour. Vous faites combien à Game Boy? Je sais trop rien. Vous proposez combien? Ah bah, je sais pas, je suis pas vendeuse. Hein. vous mettriez combien pour la Game Boy? Bah, faut voir si elle fonctionne, quoi. Ouais, elle fonctionne. Bah, après, je sais pas si j'ai laissé des piles dedans. Non, j'ai pas laissé des piles. Mais oui, elle fonctionne. Je sais pas, vous de me dire. Je sais pas, 7 euros, 6 euros. Ça vous dirait? Allez, 5. Ah, c'est gentil. Ouais. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Vous faites combien vos jeux vidéo? 3 euros. D'accord. Vous êtes en vente 40. Ah ouais. À 40. Allez, donc. C'est ce qu'il voulait pas. Sept.
Il est pas à 15, c'est Nick quand même. C'est des fritures ? Bah oui. Bonjour, vous faites combien vos jeux là ? C'est 5 euros, plus. Bonjour. Bonjour. Je mets pas les petites étiquettes dessus pour quoi. Ouais. Waouh. Quoi? Le poste là. 3 euros. Oui. 5, non, 3. Ben. Ah voilà. En tricot. En tricotin, moi je fais. Je l'ai venu, je suis pas très douée. En tricotin. En tricotin. Ah, oui. Là, je lui ai fini son bonnet, je suis en train de lui faire une grande écharpe. Il m'a demandé, maman, je fais une grande écharpe large et tout. C'est bien. Ah, ouais, tricotin. Oui, mais il faut. Faut faire tout le temps avec le crochet et tout, mais ça passe le temps. Ouais, j'aime bien. Tricotin, puis après avec le crochet. Vas-y. Et voilà. C'est bien. Bonjour, vous faites combien les jeux? Alors les jeux, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Ouais. Donc là, elle est à 30 euros la console. Elle est à 4. Donc pour la PS2. Oui, d'accord. Et celle-là, c'est PS3, donc c'est 4 euros. D'accord. Ah, j'ai déjà les consoles, c'est les jeux qui m'intéressaient. C'est quel jeu qui vous intéressait? Bah éventuellement les trois là. Bah ça, c'est que sur PS2. Oui, hein. Oui. Donc, parce que les deux consoles, je les ai en fait. Ah d'accord. C'est pour ça. Et les trois jeux là? Ouais, éventuellement, ils m'intéresseraient. 15 euros. Parce que Final Fantasy X est recherché. Hein. Ouais, mais bon, c'est prix vide grenier, ça fait un peu cher. Je sais, j'essaye de faire un peu moins cher que ce qu'on trouve. Non, parce qu'en général, nous, on les trouve à 2 euros pièce, les jeux, en vide grenier. Généralement, donc, c'est les gens qui ne connaissent pas trop, mais quand on regarde sur les internets. Oui, bah oui, mais bon, c'est vrai que moi, je sais que c'est pour la collection personnelle, donc 2 euros, c'est pas plus quoi, sur un jeu PS2. Quoi. Voilà, bah, je vous remercie quand même. Bonne continuation. Merci, au revoir. Nous voilà pour le compte rendu de nos achats vide-grenier. Donc on a trouvé quand même des bons petits jeux. Petits trucs. Qu'est-ce que t'en penses, le petit lot? Même si j'ai foiré quelque chose, mais bon, on montrera ça à la fin de la vidéo. Oui, c'est ça, oui. C'était assez drôle. C'était assez drôle sous le coup, mais bon, c'est vrai que ça me fait chier parce qu'il va falloir que je rachète quelque chose de plus. On vous montrera ça. Donc on vous expliquera ça à la fin. Du coup, on va commencer par un lot DS 3DS, qu'est-ce qu'on pense, chérie ? Ouais, DS 3DS qu'on a trouvé pour 12 euros. Ouais, donc c'était 2 euros de jeu. Donc le monsieur nous a fait un gratos. Donc très content. Franchement, je sais pas si on gardera le lot, je sais pas. Franchement. Je sais pas, on verra. La DS, on a du mal, franchement. Ouais, c'est compliqué. On verra bien. Donc ça se trouve, ça partira à l'échange, on verra. On verra bien. Donc alors, on a le Pokémon Rangers. Ouais, sur DS. Sur DS. Pas commun, moi je le vois pas souvent. Non, pas commun du tout. Même le Pokémon version blanche 2. Ouais. Franchement, c'est des jeux sur DS. Dans les Vosges, je sais que quand on fait des vidéos, ouais, on voit pas souvent. Ouais, c'est la crise. Bah même le ce matin, quand tu regardes... Pokémon version noire, c'est vrai, ce matin, c'était un vide-grenier, il y avait 300 exposants. C'était l'anarchie. Maximum, je sais pas s'il y a eu 300 exposants. Ouais, ils en annoncent 300, mais je sais pas si... Mais on est arrivé, c'était l'anarchie, franchement, les gens, ils couraient ça tout. Ça courait de partout. Faux, Non, mais c'est vrai quand ils pensent, c'est n'importe quoi de courir partout. Pardon. Nous avons Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. On vous dit, elle rigole parce qu'on a été voir le Joker la veille. C'est ça. On a le Donkey Kong Country Return. Sympa. Ouais, c'est cool. Monster Hunter 3 Ultimate. Mm-hmm. Pareil. Bah, moi j'aimerais bien le trouver sur la version Wii. Ouais. Et le Super Pokémon Rumble. Allez, pour 12 euros les gars, je pense que très bonne affaire quand même. C'est cool. Non, franchement c'est cool. Ensuite. Vas-y, monte ta pépite hallucinante. Ma petite pépite hallucinante. Qu'on avait trouvé ça, parce qu'il était vers midi, je crois, mais on avait été se promener avec les chats. Je sais plus, ouais. C'était un vide-grenier, ouais, vers midi, je crois bien. Ouais. Donc alors, c'était un petit casque de vélo
Donkey Kong. Très 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 original, franchement. Ouais, franchement, c'est génial. Pour 2 euros, ça va. Il est de 96 et à l'époque, on pouvait l'acheter sur un catalogue. Alors, ça vient des States. Bah, pour le peu de renseignements qu'on a. C'est le peu de renseignements qu'on a trouvé. Et c'était uniquement ouais, sur catalogue qu'on pouvait l'avoir. Donc c'est taille XS. Ouais. Pour enfant. Hein. Eh bah, et enfant, et moi encore, ça me va. Ça te va ou ça va, ouais. Ça va, t'as une tête d'enfant. Comme moi. Yeah. Non, franchement, génial. Ouais, c'est génial, c'est sympa. C'est vraiment chou, quoi. C'est vraiment pour le délire de la collection avec Donkey Kong Country, ouais, quoi. C'est vraiment. Sinon, on l'aurait pas pris. Non, puis bah, ça, on a vu ça, moi, très bien. Ouais. Donc, on a acheté. Acheté pour 2 euros, t'as mis le prix. On a été faible. On a été faible, oui. Comme moi, j'étais faible. Vous verrez ça à la fin, j'ai été faible. Ah, c'est même plus faible. Non, ça va. Ensuite, petit lot, PlayStation 1. Comme ça, plutôt. Donc, 10 jeux plus sa carte mémoire pour 10 euros. La dame me demande, je lui demande le prix, elle me dit, c'est comme vous voulez. Du coup, 10 jeux, je fais, allez, 1 euro pièce, allez, ouais. Je vous propose 10 euros. Ils sont tous complets. C'est... Bon. Bien. Vous attendez pas non plus à des pépites hallucinantes. Ouais, hein. C'est sûr. Donc, la petite carte mémoire. Donc la pépite, donc la carte mémoire qui est tombée. Ça va être une vidéo bêtise. Ouais, c'est une vidéo à l'arrache. Hein. Alors, le Medal of Honor Resistance sur PS1, on a dit que c'était un Lopez. Mais c'est, oui, du coup, complet. Donc, ça, c'est des versions. Bah, on va le garder, ça. Ça c'est, ouais. Même si c'est du platinum. Ouais, c'est pas gênant. Donc, le premier, Medal of Honor, ça, on va le garder. Franchement. On a, et les comment dire, les boîtiers sont très propres. Très propres. Le Alone in the Dark. Pareil qu'on va garder. Qui veut gagner des millions? Pareil, ça je le garde pour le délire. Franchement, j'y ai joué. Qu'est-ce que j'ai déliré tout seul comme un con. Oui, j'étais dans la cuisine, je l'entendais. Pourquoi pas, j'aimerais bien faire une vidéo. Ça peut être cool. Une vidéo là-dessus, un let's play, mais avec des gages, tu vois. Que Didine joue et moi, et on est un gage, je sais pas. On verra bien. Ça serait sympa. Ça va être drôle. Alors attends, vas-y, vas-y. Le Tomb Raider 2. De. Donc ça c'est réservé, ça sera pour mon poteau, notre poteau Benji. Pour Benji. Et également le Oddworld. Donc en complet, ils sont tous complets, franchement ouais. Très bon. Franchement, même les boîtiers ils sont propres hein. Le lot, rien qu'avec le jeu là, c'était déjà ouais, une bonne affaire. Ouais. Et bah, donc du coup mon petit ami Benji, il aura déjà 2 jeux. Voilà. C'est ça. Il a déjà fait sa sélection. Ouais, le Tomb Raider 3. Donc après le 3, on a le 4. Hein. C'est la révélation finale. Et le Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Donc après le 5, nous avons le 1. Aucune logique, mais bon, on a le 1. Ouais, c'est pas donc tous en complet, même si c'est du platinum. Bon, c'est cool. Franchement, la dame m'a dit, vous me proposez ce que vous voulez. J'ai regardé les tatous, j'ai dit wow. C'est cool. Franchement, je lui ai dit, allez, 10 euros les 10. Bah, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Le jour que, et un coup, on était allé en vide grenier se promener, et la nana, les Tomb Raider, c'était combien, 25-30 euros pièce qu'elle les vendait. Le jeu, oui, il y avait le 1, le 2, le 3, 25 euros pièce qu'elle vendait. Mais ils sont fous. Donnez-moi votre prix. Bon, après j'ai dit, ouais, j'ai vu l'état des... À la base, je les ai pris pour les boîtiers, mais après je me suis dit, ouais, je vais penser à mon petit Benji. Bah oui, et, quand même. Et du coup, il a fait sa sélection, le reste, ça ira, je pense, à l'échange en magasin. On va faire ça, On va voir, ouais. Et la carte mémoire, on va la garder aussi. Bah oui, hein. Elle est belle, elle est jeune. Du coup, tiens, on va parler des petits dons qu'Emeline nous a fait, ouais, de ma frangine. Du coup, Emeline nous a fait en don donc 2 jeux PS3. Donc tiens, je vais te poser. Donc Gran Turismo 5, on n'avait pas. Du coup, en complet, pareil, je suis content. Bah ouais, donc cool. Jamais testé. Et du coup, le Mortal Kombat, ouais. Avec un contenu exclusif, voilà. Incarner Kratos. On va incarner Kratos, donc je vais tester ça, et pareil, je ne les ai jamais testés, donc ça sera la surprise, donc elle nous en fait un don. Donc gros gros bisous Emeline et merci. Coucou. Coucou. C'était sûr. Et Ethan, tu dis rien, tu regardes pas faire. Oui. Voilà. Bon bah c'est pas grave, on va finir. Attends, il fait un chocolat. T'es pas un chocolat, t'as fait quoi? Bon du coup, petite intervention d'Ethan. Intrusion, je dirais. Intrusion, on va dire. Hein. Tu dis bonjour? Tu fais coucou? Bonjour à tous, salut. Tu fais salut. Donc du coup, on va vous présenter. Bah vas-y, présente. Ouais. Donc là, c'est le moment faible de GG. Alors, c'est moi qui l'ai vu. Et c'est GG qui a été fait.
C'est ça. Mais petite négociation dessus, mais ouais, je pense qu'elle serait partie dans tous les cas si on l'aurait pas. Ouais, parce que c'était l'anarchie ce matin. Ouais. Donc c'est une belle grosse figurine, au moins, je sais pas, 30 cm passé, ouais. De Donkey Kong. Elle est magnifique. Moi j'ai craqué dessus. Elle est magnifique. La dame nous a annoncé 40 euros négociables. Et on lui a demandé vraiment son dernier prix, parce que sur le coup elle nous dit négociable, donc on lui dit 30 et elle a dit je vous aurais dit 35. Et on s'est laissé aller pour 35. Ouais, franchement c'est une figurine de 2008. Hein, je sais. Ouais, je l'ai jamais vue. C'est donc Donkey Kong, t'as vu? C'est à qui ça? C'est à qui, ça papa? C'est à qui? C'est à papa. C'est à papa. Et pour finir, donc le truc... Bah, je te montre ma connerie. Donc, où je te passe Ethan? Ouais, vas-y, donne-moi Ethan et montre ta connerie. On se passe le gosse. Hein. Et du coup, nous avons trouvé une super une Game Boy Pocket. Formidable. Je vais vous montrer l'état de la Game Boy. Mais vous l'avez vu dans les images. Donc le délire, c'est que le problème, c'est que j'ai fait une grosse connerie, les gars. Je vais vous montrer l'état. J'étais obligé de téléphoner à Benji direct. Bah oui, ils sont restés une heure et demie au téléphone, du coup, puis on a rigolé. Hein? À la base... On touche pas. À la base, cette console était rouge. Vous voyez la rouge. À la base. Du coup, il y avait un peu de buée à l'intérieur. Donc, du coup, je nettoie. Donc, je démonte la console, je nettoie l'intérieur, j'enlève la buée. Mais quand j'ai frotté, du coup, j'ai décollé l'écran et j'ai voulu recoller avec la super glue. Rigole pas, toi. Et du coup, j'ai un peu trop mis de super glue. Regardez l'état. Donc putain, les gens, vous pouvez mettre des pouces rouges. C'est pas rigolo. Hein. Du coup voilà, GG, il a déconné quoi. Du coup je suis obligé d'acheter une coque, et même un écran. Oui. Ou à part, il faut que j'achète un écran et repeindre la console. Mais parce que le problème c'est que ça a dégouliné, j'ai frotté et j'ai niqué toute la console. J'ai même enlevé le select et le. Ah bah y a tout enlevé là. Et voilà, donc c'était une Game Boy qu'on a payé 5 euros quand même. Bah et ouais, Game Boy Pocket, c'était une bonne affaire. Et qui fonctionne, franchement qui fonctionne. Et du coup, voilà, j'ai pas assuré, c'est ma boulette de l'année, je crois bien. Ah, c'est génial. Donc vous pouvez mettre des pouces rouges pour ça, il n'y a pas de problème. Oh bah non. Vous me le dites, seulement vous le dites dans les commentaires. Bonne enfance, c'est pour rigoler, à dire. Donc voilà, donc sur ce. Ah bien. Hop là. On espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah, je pense qu'on a fait des bons achats quand même. Ouais, on a fait des bonnes petites trouvailles. J'espère que le petit live aussi vous aura plu. Comme à la bonne époque, hein, comme sur Retro Paradise 88. À l'ancienne. Hein, même si on en fait pas souvent, mais bon, quand on a envie, on le fait. Hein. Exactement. Hein. Quand on peut aussi. Et quand on peut. Et du coup, sur ce, les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et on se dit à la prochaine. Salut.